le chanteur John Davis, qui était l'une des véritables voix d'Anzel, ombre qui a contribué au succès du groupe pop à succès Milli Vanilli, et de ce dès le lundi 24 mai 2021. Il a succombé des suites des complications liées à la Covid-19 à elle, âge de 66 ans. Triste nouvelle pour elle, l'univers de la musique. John Davis était un vocaliste hors pair. Son décès est annoncé sur son Facebook par sa fille, Jasmine. Elle a posté une vidéo de John Davis en train d'interpréter une reprise touchante du titre « Hallelujah » de Jeff Buckley. Une nouvelle affligeante, la fille de John Davis, complètement déchirée par la perte de son père, lui a rendu un bel hommage sur Facebook. Jasmine Davis a dit clair que son papa a fait le bonheur de beaucoup de monde au cours de sa carrière. Dans son hommage sur les réseaux sociaux, Jasmine a souligné le sourire réel, amour que son père a donné avec la musique. S'il vous plaît, applaudissez-le une dernière fois. Il nous manquera profondément, a-t-elle conclu. On peut entendre la voix de John Davis sur l'album Girl You Know It's True, sorti en 1989, qui s'est vu retirer son Grammy après qu'il ait révélé que les membres du groupe, Fabrice Morvan et Rob Pilatus, faisaient du playback sur les titres phares de l'album. L'une des voix originales de Milli Vanilli, originaire de Caroline du Sud, John Davis s'est installé en Allemagne où, avec d'autres chanteurs de session, il est devenu le chanteur à l'origine du succès du duo pop Milli Vanilli. Malgré le scandale, le tandem a vendu plus de 11 millions d'albums à travers le monde. John Davis n'est crédité que comme choriste sur le titre « Girl You Know It's True » du groupe franco-allemand. C'est l'une des nombreuses chansons de l'album à succès de Milli Vanilli. Par ailleurs, trois des chansons de l'album du duo a réussi à se hisser dans les charts américains. John Davis reste en Allemagne et a travaillé avec Fabrice Morvan dans le cadre du groupe musical Face Meets Voice. Robert Pilatus, 32 ans, est mort d'une overdose de drogue en 1998. John Davis est mort. Le vrai chanteur de Milli Vanilli meurt à l'âge de 66 ans après avoir lutté contre le coronavirus. Photo, Twitter. Daily Express. Fabrice Morvan a d'ailleurs rendu hommage à son ami sur Twitter, en postant un message bouleversant. Toi et moi, nous avons eu un grand moment, qui était amusant de se labrer la vie avec l'aide de la musique. Paix, un amour. Ta voix continuera à vivre, a-t-il écrit. La mort de Bunny Whale, une perte qui a touché des milliers de fans du monde entier. Les mélomanes ont encore perdu un autre nom de la musique. Le chanteur Bunny Whale aura rendu son dernier souffle à l'âge de 73 ans. Retour sur les circonstances de la mort de la légende de la musique reggae. Bunny Whale se produisant au Beacon Theatre, à New York, le 14 décembre 1997. Photo. Getty Images, abonnez-vous à Amo Mama sur Google.